Y'a plus de chance, c'est Protek, et on se retrouve pour l'épisode 3 d'Usine à Craft en compagnie de Crazy. Hello. Et comme vous avez pu voir, il y a eu un putain d'avancement sur la base. Grâce à notre ami Crazy et Gollum qui ont pas dormi de la nuit, mais Gollum, lui, il a été se coucher. Et comme vous avez pu le voir, bah il y a un massofabricateur. Alors bon, ils pompent assez d'énergie, mais ils ont fait du stock, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et ça a pris du temps surtout. Voilà, en fait moi j'étais pas là, je sais pas, je suis allé me coucher à 3h du mat, je suis revenu, puis il y avait tout ça. Et en plus ils ont aussi amélioré la base de ce côté. Enfin vraiment agrandi à mort. Donc là il y a une salle, là il y en a une autre. Et là il y en a une autre, donc du coup on a de la marge. C'est assez énorme. Et du coup bah j'ai dit pourquoi pas filmer comme ça, au moins on pourra pas avancer trop vite parce que... Voilà. Par contre j'avais juste un truc à mettre là-dedans. Nul. Ah oui, tu mets ça dans un petit cadre. C'est trop swaggy. Youpi. Voilà. Et bah du coup, vu que je suis un peu le seul du serveur qui a pas encore d'objet électrique, je pensais m'en faire un. Donc ce serait pas trop mal que je me fasse un, même si j'ai une pioche en obsidian assez cheatée, je vous l'avoue, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je sais pas si on avait montré, mais on avait une enclume et aussi une table d'enchantement qui est tout là-haut pour pouvoir enchanter les items. Mais sauf qu'on n'a pas énormément de bibliothèque, donc ça enchante pas à fond, mais c'est déjà pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais enchanter ma pelle. Level 2. Level 5. Solidité 1. Ouais. Merde. Aïe, ça fait mal. Ça, par contre, je tombe tout le temps dedans. Alors, bon, on va déjà commencer à se faire un petit truc plutôt pas mal. Non. Voilà. Mining drill. C'est un peu la base des objets électriques. Comme ça, je casserai pas ma pioche. Et puis ça, je garderai... pour pouvoir faire un advanced. Ah oui, c'est qu'en plus ce taré, pendant la nuit, il a réussi à faire un advanced solar panel. Alors là, on a quand même 6 panneaux solaires basiques. Et en fait, bah, il l'a crafté, mais je lui ai dit de pas le poser avant l'épisode. Comme ça, au moins, on montrera qu'on n'a pas vraiment cheaté. Et bah là, tu peux aller le poser. Sauf ouais. Qu'en fait, il y a plus de câbles. Non. Mais il y en a déjà. Ah oui, bon, en fait, l'advanced, il est là. Ok. Ouais. Je les ai déjà installés, les câbles. Ouais, mais je dis des câbles autres que ça. Ah. Bien installé. En fait, après, c'est pratique parce que vous mettez le craft là-dedans. Bon, c'est un peu comme le... Non, c'est pas pratique. Ah, mais normalement, c'est censé prendre des coffres à côté, c'est pas juste. Mais c'est pas comme le fabricateur. Ouais, ça c'est justement pour ça que j'aimerais bien Xycraft parce que c'est super rapide avec ce machin. Alors. Ah, yes, il reste un Raffined Iron. Hop. Il me fallait. Ah, bah 5 de Raffined Iron. Par contre, on a pas mal de matière partout sauf du fer. Et ça, j'avoue que c'est assez casse-couille. Par contre, il a aussi fait 2 inductions fournées, c'est un truc de fou. Ouais. Et puis un Rotary Macerator. Ouais, aussi il a amélioré à peu près toutes les machines. C'est un malade. En une nuit, on peut faire pas mal de trucs. Ouais, j'avoue. Ensuite, le circuit électrique. Et attention. Doudoudoudou. Mining drill, ouais, et ensuite je vais directement le transformer en diamond drill, comme ça, ouais. Parce que j'ai récupéré un tout petit peu de diamant grâce à mon turtle. Et en plus avec ma pioche, enfin vu qu'il en restait un petit peu sur les bords, et bah j'ai pu en avoir plus vu que j'ai fortune, hein. Alors, on va le recharger. Ouais. Doum, 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 doum. Faudra faire une MF. Recharger. Alors ouais, faudrait faire une MFE pour stocker un petit peu plus d'énergie, sauf on, je sais pas où on la mettra. Bah à l'étage du dessous en tout cas. Bah soit on la met là-dessous. Ah non en fait. Ouais.
Faudrait la mettre à un endroit où on peut poser l'électrolyseur et puis que le courant il peut passer partout en fait. Ah ouais. Ce serait plutôt pas mal. Dieu. Ah oui, puis Gollum il a été chercher un petit peu de bois, hein, donc on a un joli petit coffre un petit d'ailleurs. peu. Ah ouais, un petit peu beaucoup alors. Je voulais juste faire un truc. En fait, on va le crafter là-dedans. Re, alors j'ai eu un petit crash. Est-ce que maintenant ça a marché? Ouais. Voilà. Et ensuite, boum, comme ça on a un plus grand coffre pour le bois. Ouais. Alors, bah c'est bon, j'ai toujours mon diamond drill. Par contre, l'advanced, c'est pour plus tard. En tout cas pour moi. Et je vais me faire un petit backpack, comme ça je vais pouvoir stocker pas mal d'énergie. En fait, je me demande un truc. Est-ce que le lapac vaut mieux? Faire des blocs de lapis, non? Ouais. Est-ce qu'on a beaucoup de lapis au pire? Bof. Ouais, ça va, mais il en faut 6, donc ça. Bon, en plus, il n'y a pas vraiment d'autres crafts. Il faut ça, plus un advanced circuit. Ah, mais de toute façon, il faut un backpack, en fait. Ah, bon, bah alors. Autant pour moi. Craftons des piles. Je crois qu'il y en a déjà. Il y en a déjà des. Où ça? Enfin, pas rempli. Dans le coffre en or. Ah oui, il y en a Normalement. deux. Puis les câbles, en fait, il y en a où? Des câbles? En... Bon, attends, je suis plus jeune. Au pire, mets-les dedans, ouais. D'accord. Voilà, j'ai mon Advanced Diamond Drill. Youpi! Attends. Non, il me faut 4 piles. Ouais, mais pourquoi ça? Ça bug? Je sais pas, je prends le craft et il disparaît, puis il revient. C'est assez bizarre. Non, tu peux faire un ultimate latpack. Ouais. Focate l'apôtre en cristal? Ça va. Facile. Easy. Alors, doum, 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 hop, ça, et les 6 piles. Recyclez les piles, s'il vous plaît. Voilà. Ça marche. Bon, ça va vraiment falloir l'améliorer parce que c'est pas le top. Ah, mais ça Oh, peut il y en a storer pas mal 60 000. là-dedans. Ah ouais, 60 000, c'est plutôt pas mal. Ah oui, enfin, bon, en attendant que ça charge, la vache, le mur. C'est vrai, parce qu'en réalité, hier soir, on a fait un système de lave avec le Nether, avec un Ender Tank, qui charge les géothermales générateurs et qui ensuite recharge toutes les beatbox. Hein, donc, pour ceux qui connaissent pas la technique, c'est simple. Faut juste mettre des pompes dans le Nether, vous mettez un Ender Tank, enfin, en tout cas, avant, c'était avec un minecart qu'on pouvait transporter, mais maintenant. Vu qu'il y a les Ender Tanks, eh ben on en profite et ensuite vous avez juste à mettre la lave, enfin faire que la lave rentre dedans. Et quand elle ressort, eh ben elle va remplir les géothermal générateurs. Et vu que c'est de la lave pure et pas genre des cellules ou comme ça, et eh ben du coup ça recharge, enfin ça fait vraiment super beaucoup d'énergie. Donc bah là c'est bon, j'ai mon backpack, ouais. T'as posé l'advanced en fait? Ouais, c'est posé. Il est. Il est sur le toit. Oh, je vais juste aller le voir. Dihumateur. Oh oui, l'advanced. Qui fonctionne la nuit, ça va un peu nous sauver la vie. Ça. Même si maintenant il y a la lave, mais. Ça nous sauve la vie quand même. Aïe. Alors maintenant un autre truc que je voulais me faire, bon peut-être parce que ça peut stocker 300 000. Ouais, je pense pas que j'en ai besoin d'autant, mais bon, enfin on sait jamais. Un autre truc que j'avais besoin, bon ça on va garder, non. T'as encore des copper câbles? Ouais, j'en ai 4. Attends, je les ai mis dans la table de craft. Merci. Un truc, je sais pas si ça va être possible. Ouais, non, mais en fait, ça vaut pas la peine. C'est pas une bonne idée.
Mais en tout cas, il y a un autre truc qu'il me faudrait. Non, pardon. Hop, c'est ça. Non, 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 non. C'est assez compliqué, mais ça le fait. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, et est-ce qu'on a encore... Oui. Hop, hop, et voilà. Tadam, maintenant j'en ai deux, je les mets les deux, et voilà, long full boots. Et normalement... Tadam. Maintenant c'est... T'as utilisé du diamant. Oui, j'ai utilisé 4 diamants, désolé. Normalement maintenant on va faire un petit test. Hop, et Je si vois je bien saute que t'es depuis prêt. ici... Voilà, pas de dégâts thunes. Yeah! Trop bien ces boots, je les aime. Voilà. Bon, comme ça, moi, ça m'évitera de mourir en sautant, hein, parce que la gravité, c'est un truc de merde. Gravité. Par contre, là, l'extracteur, il est plein aussi. Et on va juste garder la pioche overcheatée dans un coin. Et c'est tout bon. Alors, vu que dans cette série, normalement, bah, il est censé y avoir un petit peu de choses diverses et variées, au lieu de faire que de l'électrique, moi je pensais me mettre à Atomcraft. Oh, ouais. Comme ça, il y aurait un petit peu de magie et ce serait plutôt pas mal. Donc, je sais plus. Attends, ça avec des bûches? Non, c'est avec des planchers. Ça. Pourquoi pour le livre? Non, non, pour faire des tables d'enchantement. Par contre, il va me falloir... Putain, mais ça chiant, ça bug un peu les tables. Je crois que j'en ai déjà fait une. Elle est normalement, elle est dans ce coffre-là. Dans un de ces coffres. Non. Non, non. Ah oui, là, il y en a une. Bah, de toute façon, ça, j'en aurais besoin de trois, en fait. Alors, par contre, ce qu'il me faut absolument, c'est la baguette du débutant, hein. Comment c'est déjà? Voilà, The Wand of Apprentice. Et on peut pas la craft. Mais je connais le craft normalement, je sais pas si ça va marcher. Il nous faut. Bon bah moi je fais la MFE. D'accord. Il nous faut juste un petit bâton. Ça, et normalement. Oui, Wand of Apprentice. Voilà, donc c'est un des crafts qu'on peut pas voir, mais moi je le sais par cœur parce qu'à force. Ça devient facile. Bah, en fait, le truc d'enchantement, je vais le mettre dans la pièce tout là-bas au bout. Ou alors non, juste là, parce qu'elle est un peu plus petite. Ou alors vous avez prévu de faire des trucs dedans? Où? Dans une des salles ici. Bah en fait c'était un peu pour toi quoi. Bah je sais pas. Ben, je prends la plus petite juste là alors. Parce que ça prend pas Peut-être pour énormément de faire une place ce petite mode. salle ou bah... Alors normalement, si je fais clic droit là-dessus. Boum, voilà, ça me fait déjà la table de base pour les crafts. Et après, il va me falloir un truc qui s'appelle... voilà, Scribing Tool. Alors là, j'aurais juste besoin d'une... Ah oui, est-ce qu'on a de la... De l'argile? Ouais, on a là je crois deux stacks. Ok, ça doit être là-dedans. Oui, il y en a un, j'en ai juste besoin de un. Ah d'un, ok. Parce que quoi où c'est ici là où il y a le coffre. Dommage. Alors, faut juste que je fasse ça. Hop, voilà, des glaciales. Il me faut de l'encre et une plume. Alors, une plume, ça, je sais qu'on a. C'est la seule qu'on a, d'ailleurs. Par contre, de l'encre, ça, je pense pas qu'on en ait. On n'a pas d'encre. Bon, bah, je vais aller... Ah, il y a un Enderman. Cassez-vous de ma propriété. Voilà. Il va te one shot. Du tout. Je récupère un peu de melon, comme ça j'ai de la bouffe. Voilà, le melon au début c'est toujours très très utile. D'ailleurs on a un petit peu amélioré le jardin et on a un arbre avec des feuilles en feu. Bon, il y a quelqu'un qui l'a pété, mais c'est pas grave. Ouais, c'est Gollum. D'accord. Il en avait marre. Il y a encore un Enderman.
Bordel. Il faut juste que j'arrive à trouver un poulpe. Allez, viens m'attaquer dans l'eau si tu l'oses. Va falloir que j'aille chercher dans la mer pour pouvoir en trouver. No. Ah, pour de l'encre? Ouais, des poulpes. Ou alors là-bas, il y a peut-être une chance d'en trouver. Oh, salut le creeper. Tu m'effraies même plus. Il n'y a pas de poulpe. Oh. Dommage. Pourtant, c'est bizarre, il est censé y en avoir pas mal. Peut-être c'est la nuit. Non, ça change rien, il me semble. Where is the poulpe? Dar. Là-bas, il a l'air d'avoir une assez grande source d'eau. Si les chunks voulaient bien se charger. Ah, mais les bugs de chunks, c'est le truc le plus chiant au monde. Non, j'ai cru que c'était une grande source, mais en fait... Ah non, là-bas, il y a la mer. Oui. Ah, je sais pas à combien, quelle distance je serais parti, mais c'est pas grave. Doum, 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 doum. Alors là, si je trouve pas de poulpe... Ouais, bon, en même temps, il y a des bugs de chunk de malade. Hein? Oh, il y a deux panneaux solaires. Attends, il y a la base de quelqu'un, je crois. Genre, je suis tombé dessus par hasard. Énorme. C'est la BN. Lol. Ah, merde, j'ai un peu inondé. Genre, okay. J'suis tombé dessus complètement par hasard, t'sais. Ah bon, bon, par contre, tu as niqué toutes les torches de sa mine. Désolé. Bon, on va repartir aussitôt, hein. Bon, il te fait repérer, hein. Non, pas vraiment. Ah bon, alors si là, il y a du poulpe, ce serait bien, parce qu'il y a que des vaches. Alors, je le mets où, le MFE? Ben, mets le... Enfin, ouais, bah attends, je vais juste chasser des poulpes et j'arrive. Bah, je fais une petite ellipse, le temps de trouver des poulpes, parce que là, ça veut vraiment pas les faire spawner. Alors, à plus. C'est bon, alors, je suis de retour. J'ai trouvé deux poulpes, par chance. Franchement, je sais pas pourquoi il y en avait pas. Mais au moins, j'en ai, donc je m'en fous. Alors, hop. Voilà, et maintenant, on a les scribing tools et on va pouvoir créer la table. Et voilà, maintenant je peux commencer à chercher des crafts de Tomcraft, mais il me faut du papier. Et on n'a pas de papier. Enfin, on a du bambou, je crois, mais on n'a pas de papier. Ouais, on a pas mal de bambou, mais on n'a pas de papier. Juste crafter un petit four. Doum, 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 doum. Non, pas un four, un coffre, pardon. Papier. Et voilà. Alors, papier. Non, ça il faut que je le mette là-dedans. Là-dedans. Je voilà. Coupe un petit coup le micro. D'accord. Et on va commencer par le premier craft. Ah non, en fait, oui, je sais ce qu'il me faut. Bah, vu que maintenant on a du bois. Non, en fait, c'est juste des planches, donc je m'en fous. Mais ça, j'ai juste besoin d'une bibliothèque. Hop. Voilà. Et avec la baguette magique, on fait clic droit dessus et... Ta-na-na-na, le tomonicon, tomonomicon, enfin, je sais plus comment ça se prononce. Et voilà. C'est là où ça va être stocké tous les crafts de Tomcraft. Donc là, bah, il y a déjà ceux de base, mais on peut pas les voir. C'est juste pour nous montrer que c'est les premiers. Alors, je m'en souviens encore un petit peu. Je peux pas les connaître par cœur, mais c'est facile à trouver. Enfin, si on connaît un peu la logique de Tomcraft, c'est pas super compliqué. Alors, normalement, il est censé y avoir des informations. Genre, quand on fait shift clic droit, enfin, non, shift sur un item, il est censé y apparaître des cases avec. Voilà, comme ça. Sauf que là, vu que le charbon. Je sais pas si je le mets là. Ah oui, non, c'est juste que c'est beaucoup plus en dessus. D'accord. Alors, ça bug pas, c'est bon.
Mais il nous faut juste ça et de la redstone si je dis pas de conneries. Ou alors non. C'est. Non, la redstone ça va très très bien. Alors après, le petit problème c'est que à chaque fois qu'on va avancer dans un craft, ça va nous en demander toujours plus. Alors là, normalement, si je lance, voilà, il y a la feuille qui est arrivée avec Unnamed. Bon, là je clique juste un peu. Ah oui, mais en fait, faut que je me mette en Torug mode, comme ça va augmenter beaucoup plus vite, mais ça va me niquer un peu plus de matière. Donc là, ça dit que je suis à 40, il manque les pourcents et le nom, mais c'est pas grave, c'est encore un peu en bêta. Et voilà, normalement. Le dernier, c'est censé le trouver. C'est pas ça, d'accord. Je suis à 60%, mais le dernier, normalement, c'est censé être quelque chose de magique ou. Je ne sais plus, mais c'est toujours quelque chose dans le genre. Donc c'est avec ces air shards, hein, genre qu'on fait ça. Bah, je sais pas, je vais essayer d'en prendre plusieurs. Et un petit peu de silver, parce que c'est souvent ça qui est utile là-dedans. Alors, Le retour. Robiju, c'est pas ça, c'est pas ça non plus, c'est pas ça, c'est pas ça, ça peut pas être ça, donc il y a peut-être ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ouais, là je faillais un peu dans les crafts, mais je sais plus vraiment comment c'était. Ça devait être un truc avec les slime balls. Ah ouais, ou alors il y a le bronze qui le fait, non? Ouais, je vais prendre du bronze plutôt parce que les slime balls c'est plutôt précieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Je reviens. Alors c'est bon, tout le monde. Alors bah Crazy a posé le MFE. On a fait un petit transformer pour pas que ça fasse péter tous les câbles et toutes les machines. Et on a pu poser l'électrolyseur, donc c'est plutôt pas mal. Quant à moi, j'ai réussi à trouver le craft. Enfin, bon, là, je l'ai pas terminé. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, j'avais oublié que c'était de la glowstone. Donc, voilà, on finit. Hop, ça s'appelle du nitor. On le prend dans la main et boum, voilà, c'est débloqué. Et normalement, maintenant, je vois le craft. Donc, ce craft-là, comment on le fait? Eh bien, c'est très simple. Il va nous falloir un chaudron déjà. Je crois qu'il y en a déjà un de chaudron. Ok, bah alors on va prendre le chaudron s'il en reste. Dans un coffre, normalement, j'en ai vu un hier. Alors, pris. Tant qu'il y en a un. Non, il n'y en a pas. Non? Bon, au pire, c'est pas très grave, hein, c'est juste 7 de fer. Aide de fer? 7 de fer, je sais, c'est riche. Enfin, Alors, c'est coûteux plutôt, non mais... c'est très coûteux. À ce stade. Ouais, j'avoue que c'est assez énorme. Alors, bah, on va le mettre dans un coin assez stratégique, genre en plein milieu de la pièce ici. On fait clic droit avec la baguette magique. Boum, voilà, maintenant c'est un chaudron de Tomcraft. Ensuite. J'aime bien le mining drill, j'adore même. Il va falloir de l'eau. De l'eau. T'aurais pas deux de laine? Je crois qu'il en reste dans un des coffres, mais je suis pas sûr. Et maintenant, avec la petite source, on recharge le truc d'eau. Ah oui, par contre, il me manque un truc. On a de la netherrack, non? Enfin, oui, normalement. Alors, il va juste me falloir. Faut que je bouffe un peu. Alors, un netherrack et je sais qu'il restait un briquet quelque part. J'en ai vu un hier. Soir. Il y en a Ouais, plus. le briquet, il est cassé. Ouais, c'est D'accord, cassé. bon. Je vais en crafter un. Moins un de Non, on fer. trouve un lingot de fer. On est vraiment gitans. Hein. Non. C'est tout bon. Alors.
On met la netherrack en dessous, on fout le feu, et voilà. Normalement, c'est pour garder le... Enfin, c'est pour allumer... Enfin, faire bouillir l'eau qu'il y a dedans. Alors, si on attend un petit moment, normalement, on verra des bulles. Voilà. Donc là, quand il y a les bulles, ça veut dire que c'est chaud et qu'on peut jeter les items dedans. Donc, pour l'instant, bah, je dois remplir manuellement, mais vous verrez, au fur et à mesure, ça va être un peu plus facile, vu qu'il va y avoir sûrement bah, des golems. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Par contre, je regarde un petit coup. Ah, c'est quoi ? Basic Transmulation. Yeah ! Je sais déjà ce qu'il faut. On va faire un autre petit craft en live. Il nous faut du silver. Alors, de la laine dans un coffre. Le dernier, si je me trompe pas, ça doit être quelque chose comme de la redstone. Ou du charbon. Ou alors des air shards. Je sais plus. On va voir ça. Et non, il n'y a plus de laine. Clochard. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Pas ça. C'est pas ça. Ok, bon alors c'est pas ça. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça me saoule un peu ces machins. Ah oui, oui, oui. La gote bronze. Voilà. Quelqu'un a deux de laine, combien il t'en faut? C'est toujours pas ça. Oh merde. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bordel. Bon, au pire, c'est pas grave. Je le finirai une autre fois. Ça a pété. Ah ouais? En tout cas, j'ai entendu un truc qui a explosé. Il crash. D'accord. Youpi. Youpi, youpi. Ah. Et non, c'est toujours pas le quartz. Bon, c'est pas grave, on va passer à un autre truc parce que je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, maintenant, ce qu'il me faut, bah justement, je vais essayer de faire un lapac, comme ça va être un petit peu plus facile en énergie. Bon, il va me falloir un peu plus de lapis. Il me faut 6 blocs. Voilà. 6 blocs. Ensuite, un advanced circuit. Donc, un de refaire. Je crois qu'il y a déjà des copper câbles. Oh, il est venu donner 2 de laine. Yes. Je les mets dans le coffre. Ouais. Les copper câbles, c'est bon, j'en ai encore sur moi au pire. Ok. Alors, hop, voilà. Et l'advanced, normalement, il faut 2 de redstone. 4 de redstone, pardon. Et 2 de glowstone. Le mec, il en revient pas, t'sais, putain. Il en revient pas de quoi? Ah non, c'est pas comme ça le craft. Qu'on ait un massobricator. Ouais. Ah. Oui. Ah, mais par contre, il me faut mon badpack. Et attention. Doum 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 doum. Doum 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 doum. La pack. Maintenant, je peux storer 300 000 d'énergie. Ça va chier. Là, je vais pomper. Power. Un petit coup. Mes 3 de laine là. Jusqu'à 100 000 après, le reste, je m'en fous un peu. Enfin ouais, 150 000, allez, on est fou, la moitié. C'est tout. On va laisser se recharger. Par contre, ça se remplit plutôt vite, hein, même s'il y a encore la lave et tout, c'est vraiment pratique. Mais un truc que je me demande, parce que c'est bien beau, parce qu'ils se remplissent, mais j'ai pas l'impression qu'ils se vident.
Parce qu'il y a, je sais pas combien de bitbox à charger au début, donc peut-être qu'il va falloir penser à changer les câbles. Mais bon, après, voilà. Ouais. Donc bah ça je vais mettre dans mon petit sac avec la nourriture et tout, le briquet. Ça je peux remettre là. Et pendant qu'on y est, on va même faire... Ah non. On va pas faire ça. D'accord. J'ai rien dit. On va déjà se faire juste un truc qui va nous aider. Pendant plus ou moins longtemps. On m'appelle... Ah, voilà. Alors, il me faut du bronze. Canne à sucre. Non, vole pas la canne à sucre, on en a pas assez, non. Donne-nous du fer. Ouais, compte du fer, allez, s'il te plaît. Ah merde, j'ai oublié de le désactiver. D'activer le fly, pardon. Il me semble, après je sais pas, mais... C'est bon, j'ai la redstone, ok. Alors, doum, 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 doum. Par contre, moi je dis vivement qu'on ait appelé d'énergie stick, enfin on l'a, mais disons... qu'il nous faut un petit peu plus de matière pour commencer. Enfin, bon là, on en a plutôt pas mal, mais le cristal qu'on a, ça suffit pas. Enfin non, le quartz, pardon. Alors, normalement, c'est comme ça, comme ça. Il me faut peut-être déjà la clé. Hop, et hop, electric wrench. Ooh, yeah. T'as pas fait la prototype? Non mais la electric wrench, bah c'est, ça marche mieux, hein, genre pour récupérer les panneaux solaires ou comme ça. Ok. Ça peut sûrement moins bugger que d'autres. Par contre maintenant ce qu'il me faut... bah en fait c'est pas con, je pense que je vais aussi me faire la Omni-Tool. Ah, faut du cyan, la couleur cyan. Ah oui, mais il faut du cactus. Oh non, on a du cactus. Okay. Le Vajra. Le Vajra. Ça risque de prendre du temps. Je confirme. Oh mon dieu. En fait, non, je vais rien mettre là-dedans. Enfin, si. Juste après. Alors oui, ce petit coffre tout bizarre, tout spécial, c'est assez cool parce qu'en réalité, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans sans se faire voler. Le seul problème qu'on a, c'est que si les gens ont une clé ben, cheatée, ben, ils peuvent l'ouvrir. Donc c'est le seul problème qu'on a. Mais sinon, à part ça, c'est tout. Donc il me faut quand même... Hop. Hop. Par contre, on n'a pas de charbon. Donc, de charbon, pardon. De cactus. Mais il y a peut-être un moyen d'en crafter. Ouais, avec les humateurs. Non, même pas. Il faut juste un colorant rouge. Ça, je sais qu'on en a de toute façon. Oui. Ouais, au pire, on peut en faire avec l'humateur, mais ça sert à rien de niquer les humateurs pour ça. Parce qu'il y a la pierre le minium. Oh, yeah, pierre de cactus. Couleur cyan, ouais. Par contre, limite, ce qu'on peut faire avec les humateurs, j'en emprunte juste... Il y en a combien? Ouais, il y en a plus. Il y en a plus. Ah attends, mince, parce que... Non, attends. Ouais, quoi? Il me faudrait juste 3 pour faire le 41 de laine ou 21 non, attends, de laine. Non, il y en a là, attends. Dans le... Il y a quelque part où j'en ai mis. Voilà. Là. Faut juste 3. Merci. Après. Alors, un petit V. Et voilà, on a 12 de laine blanche. 12 ? 12. Voilà, j'ai remis là-dedans. Et normalement, doum, 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 doum. Omni Ranch, yeah.
j'avoue. Bon, ça on va laisser là-dedans. Hop, hop. Ah oui, puis le colorantion, je le remets ici. Ah, puis l'électrolyzer, je crois pas que ça marche. Ah, mais elle est même pas pleine, la MFE. Ok, bon, bah, faudra attendre un petit moment. Mais là, sinon, ça génère vachement vite de l'énergie, hein, n'empêche. Ouais. Quand tu penses que ça recharge toutes les beatbox aussi. Ouais. Bon, bah, il nous reste encore un dernier truc à faire. Alors, attendez. Je cherche. Ah oui, en fait. Est-ce que t'as amélioré les extracteurs? Non. D'accord. Non, j'ai pas amélioré. Non. Bah, au pire, on peut essayer d'en faire un super puissant. Non, en fait, j'en ai fait. Sauf que Gollum, il les a mis dans son inventaire. Ah, donc c'est lui qui les a. Ouais, mais ça les a complètement bousillés vu qu'il est admin. Ah oui, mince, c'est vrai. Ah oui, puis il faut les électrolyser de water cell. Ouais, ça risque d'être un peu long, mais c'est pas grave. Alors, t'as les cellules d'eau? Ouais, elles sont dans un des coffres. Non, je les donne si je suis pas fou. Là. Mais il y en a 4. Ok, bon, attends, je vais aller remplir les autres. Je sais pas si ça marche en faisant genre clic droit dessus. Soit ça marche pas, soit ça prend du temps, mais normalement si, ouais, c'est ça. Censé fonctionner. Ouais. Peut-être il est pas collé à la bonne place. Non, non, normalement qu'il soit collé sur le côté ou devant, ça marche de toute façon. Bien. Alors, moi, je trouve que... électrolyseur. Et normalement si je mets dedans... On a 7... 7 bad box remplies, plus une MFE qui est en train de se remplir et on peut faire tourner toutes les machines. Tu me rends un truc, c'est... il faudrait pas l'activer par hasard. Activer avec un levier. Je sais pas. Attends, ouais, bah y'a le levier qui t'est venu. Ou alors c'est que une par une. Ça m'étonnerait. C'est sûr que c'est pas avec l'énergie de Bulkcraft. Non, non, ça c'est sûr, c'est avec Industrial Craft. Ou alors c'est que c'est encore buggy. Mais je sais que ça m'avait fait ça dans la saison passée. Attends. Même si je pense à rien faire. Ou alors c'est juste que ça prend super super longtemps, mais... Bah au cas où, laisse-les dedans. Ouais, bon bah on a rien à y perdre. Bon bah c'est pas trop grave, hein. Bah on va faire une petite ellipse alors en attendant. Bon, bon bah alors on n'a pas réussi à trouver pourquoi ça buguait et en même temps bon, on arrive à la fin de l'épisode donc bah on va se terminer là-dessus. Donc bah on a vachement bien avancé encore et et c'est vraiment un terre récrisif franchement, merci. Bah alors on se retrouve pour un prochain épisode du Snackcraft. Alors bye tout le monde et à la prochaine. Bye bye. C'est pas le mot, c'est le mot.